Salut YouTube, on reprend avec notre deuxième colonie toute neuve, alors que la première se passe bien, même s'ils ont fait un lit normal qui est nul, du coup je leur dégomme. On devrait avoir bien assez de lits par contre du coup, dans notre colonie principale, pour que nos gens puissent coucher dans des lits bien, même s'ils sont un petit peu bêtes. Du coup j'ai deux lits qui sont pas pris, donc on va supprimer les lits bons simples pour laisser de la place aux autres. Enfin pour qu'ils aillent plutôt, pas laisser de la place aux autres, pour qu'ils aillent occuper les lits de meilleure qualité. Pardon. Nourriture se fait rare, niveau dangereusement bas. 4 colons, jour de nourriture dans le stockage 3. D'accord, donc c'est l'autre colonie qui commence déjà à faire la gueule niveau bouffe. Ici on est bien niveau bouffe, limite je pourrais envoyer une mini expédition pour aller emmener de la bouffe là-bas et ramener de l'acier. C'est tout à fait possible. Ça doit pas être à beaucoup de jours de voyage. À 0,2 vu qu'on a une route là, ça va très vite, ça qui est bien. Je pourrais faire ça, hein. Si jamais j'ai des problèmes sur cette base-là, c'est ce qu'on fera. Mais pour l'instant, ça devrait y aller. Oui. Donc là, ils mangent le chocolat, évidemment. J'avais pris du chocolat pour qu'ils aient le moral pour les premiers jours. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange tout le chocolat qui existe au monde, d'accord. Ça me plaît pas. Mais bon. Mais est-ce que vous pourriez, voilà, déplacer tout ça, que je puisse mettre mes portes, enfin mettre mes murs. Voilà. Je n'ai plus de bois. C'est vrai ça. Il me faut du bois. Coupez du bois. Coupez du bois, les gars. Et coupez-moi de bois. Voilà, donc là, on a une tourelle défensive. On va récupérer du bois, grâce à trop chiant qui fait le taf. Est-ce que je mets une deuxième... Bon, je vais agrandir un petit peu la zone agricole. Voilà. Je peux même l'agrandir ici. Oh, puis là, hein, de toute façon. C'est bon, c'est pas perdu, les plantations. La température devrait être meilleure maintenant qu'on a ça. Là, on peut donner comme tâche de faire des plats simples, hein, par contre, on va pas faire le fou. Répéter jusqu'à en avoir ouais, 10. Toujours 10. Non, peut-être 15 quand même. Ça serait bien que ce soit des gens qui savent cuisiner quand même. Oui, bah mes deux cuisiniers savent le faire. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est un établi de boucher. Parce que je pense qu'on va, à un moment donné, chasser quelques animaux pour se faire de la bouffe supplémentaire. Ce sera pas contre du tout. Ah, il y a un truc inquiétant là. Parce que là, derrière ici, il y a un creux. Donc est-ce que c'est juste un creux dans la montagne, une salle vide? Vu qu'il n'y a pas de mur artificiel, c'est possible. Mais si c'est un endroit où il y a des ennemis... On va faire la gueule. Mais bon. Lui, fédération, c'est bien. Donc oui, l'établi de boucher, c'est à faire, on a dit. Je sais pas trop comment tout placer pour l'instant. Limite, je pourrais mettre des chaises comme ça sur les côtés. Ils pourront manger sur les autres côtés. Ah mais non, peut-être pas, peut-être que la table sera trop juste. On va mettre une deuxième table et puis voilà. Un raid. Alors j'espère franchement que c'est sur la bonne base et pas celle-là. C'est bon, c'est sur la bonne base. J'ai failli faire la gueule mais... Insta quoi. Parce que si c'était sur ma nouvelle base où il n'y a personne... Il est où le raid? C'est des gens catapultés. D'accord, donc ça peut très bien se passer comme très mal se passer. Ça dépend où est-ce qu'ils vont arriver, les méchants. J'en ai absolument aucune idée. J'avais cru voir de l'acier, mais non, c'est de la merde. Du coup, je crois que c'était... Ah oui, c'est là. Ah bah ça va être marrant. Ça va être marrant, ça. Tiens, voilà. Cours. Oula! Il a heurté quelque chose, lui. Il n'a qu'un? Une deuxième capsule ici? Sérieusement? 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 À l'intérieur, il n'y avait pas un toit là? Ok, ça a pété le toit. D'accord, je savais pas.
Oh, on en apprend tous les jours. Toi, va aller tabasser le truc. T'es doué en mêlée. Mais c'est incroyable. Je pensais pas qu'il pouvait faire ça. C'est qu'à un moment pété. On peut mitrailler dessus parce que de toute façon, l'autre il a un bouclier. Voilà. Ok. Bah, je me coucherai moins bête. Punaise. Si je m'attendais à ça, vraiment. Ouais, parce que c'était vraiment avec un toit, tout. Ah, c'est horrible. Ouais, bon, là, on a découvert une zone qui sert à rien. On est content. On va miner davantage là-dedans. Hein. Tant pis si l'ennemi décide d'attaquer ici. Oui, bon, on a perdu un renard, c'est triste. Un renard ou un renard? C'est pas un renard, on en a encore plein. Un bébé machin. On a trop. Encore une zone découverte. Ah, c'est sur l'autre base. Oui, c'était juste un pixel qui était. Ah, par contre, qui est assez ouvert. C'est pas ouf ça. Voilà. Vous allez me fermer ce toit. On a construit le toit, voilà. Ce serait peut-être un peu mieux comme ça. Ensuite. Bon là, le bois se détériore vu qu'il est à l'extérieur, mais bon. J'ai envie de dire, on n'en est pas là. Dépecer des créatures en boucle. Les animaux, ils ont l'air de se nourrir. Oui, ils broutent. Ils broutent. Peut-être même leur interdire l'accès aux garde-manger. Pas besoin de nous voler notre nourriture. Médiocre, bah GG. Cette table, à mon avis, a sauté du coup. La cuisinière à bois, oui, c'est bon. Là, on devrait avoir assez de bouffe. Donc, on va reprendre la mission prioritaire. C'est-à-dire casser de l'acier. Nous en faut moult. Moult acier. Voilà, il doit y en avoir beaucoup. Il doit y en avoir beaucoup ici. C'est vraiment cool. Des plans pourris, mais c'est sur l'autre colonie. Ouais, c'est pas gênant. Oh là, trop chiant, il faut rien. Comment ça, il faut rien? Trop chiant. Alors, est-ce que t'as pas des missions que tu pourrais faire en plus? Chasseur, t'es un peu nul, hein. Dresseur, t'es encore plus nul. L'art, t'es nul. Bah, si tu sais vraiment pas quoi faire, tu vas miner, mon gars, hein. Voilà, va miner. Gwen, ouais, lui, il est corps à corps, donc non. Je peux pas dire des zones interdites, parce que je veux vraiment pas qu'ils aillent dire bonjour à ces méga araignées et tout. Ça risque d'être vraiment horrible s'ils le font. J'ai limite envie de faire ça. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va mettre des barrages pour pas que nos gens soient stupides au point d'aller dire bonjour à ces maudites bestioles. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi et soirée. À plus, je repasserai peut-être. À la prochaine, Skygust. Merci d'être passé. Passe une bonne soirée à toi aussi. Des bisous. Est-ce qu'il reste quelque part des grosses araignées? Non, c'est bon. C'était que par là. Par contre, oui, là, par là, on en construira aussi un mur pour les empêcher de passer. Mais on le fera plus tard, parce que là, j'ai pas envie qu'ils passent ici pour aller construire le mur là, quoi. C'est hors de question. Je pourrais essayer de construire des murs pour faire en sorte que les ennemis soient obligés de passer par les insectes pour m'atteindre. Mais ça fait beaucoup beaucoup de choses. C'est très compliqué après pour que mes gens ne fassent pas la même chose. Enfin non, en fait c'est pas con. Enfin si, enfin c'est pas clair. Parce que le truc, c'est qu'il faudrait que je fasse des murs, en gros un mur ici avec une porte, mais que j'en mette.
Mais que je mette pas de mur ici, mais du coup ils vont passer là quand même, quoi. Donc non, c'est pourri. Je vois pas comment le faire, en tout cas pour l'instant. Reconstruisez-moi la table qui avait été ratée. Donc là voilà, avec le sas, on devrait être bon en température là. On est à 3, à 13, et puis à côté on est à... Ok, donc ça bug. Mais bref, on devrait être bon en température là. On est bon en électricité, ça stocke assez. Avoir l'eau de base, s'il se passe quelque chose. Non, c'est de la merde. Elle est toujours pas recrutée. Résistance est baissée à 15, elle était à 40 au début, donc c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire ici? On pourrait refaire quelques vêtements, mais est-ce que j'ai la place? Oui, j'ai la place. On va refaire des vêtements. C'est toujours utile d'en avoir quelques-uns en rab. Au cas où. De l'acier, j'ai 60, c'est nul. Des composants, j'en ai 3, c'est nul aussi. Le lit, faut que je dise de le refaire. Là, il n'y a plus de lit, mais c'est normal. La sculpture, on va la réinstaller. On va la rester dans la chambre de... Quelqu'un qui est jaloux. Qui est jaloux? Non. C'était qui était jaloux? Je sais qu'Adam Jensen est jaloux. Mais je sais pas qui est le deuxième jaloux. Je sais jamais. Ah. J'ai l'impression que j'ai envoyé tous les jaloux dans l'autre base en fait. Ouais, c'est ça. La nourriture se fait rare, oui, mais je sais. Lui, oui, lui il est jaloux, et lui aussi, trop chiant, est jaloux. Donc ces deux-là sont jaloux, mais bon, voilà. C'est pas la bonne colonie, les gars. Si vous vouliez avoir du de l'équipement de qualité, c'est pas le bon endroit. On va le mettre à John Wick. Il est où, John Wick? Il est où son lit? Je vais le mettre à John Wick parce qu'en fait, John Wick est dépressif, du coup, s'il a une chambre un peu mieux que les autres, voilà. C'est pas perdu. Fait, j'aurais dû faire un petit peu plus grand ma chambre. Ça aurait été bien de mettre la sculpture en plein milieu en fait. On va la mettre là du coup, devant la commode. Risque de démence mineure de Iguane, qui est parti à l'autre bout du monde chercher une bestiole morte. Là, j'ai pas construit le mur encore. Non, ça a été... le bois a été apporté, mais le mur n'a pas été construit. Là, le mur a été construit. Ici, le mur n'a pas été construit. J'hésite à le faire comme ça pour récupérer le métal qui est ici. Là, il faut que je fasse gaffe à ce métal-là. Fournisseur militaire, espérons que ce soit à la bonne base. Autrement, ça me fait une belle jambe. Oui. Voilà, appelle le fournisseur militaire. On va voir si on peut pas acheter des choses intéressantes, comme des composants. Des médicaments, on peut en prendre aussi. C'est toujours bon. Allez, on va en prendre 20, on va en prendre beaucoup cette fois. Luciférium, non, on le vend toujours pas. En fait, je pourrais le vendre, hein, ça me sert à rien, honnêtement. Les armes de mauvaise qualité, on les vend. Les armes en corps à corps, hein, surtout. Et non, ils ont pas grand-chose d'autre à proposer. J'hésite à vendre ça, le luciférium, hein, c'est des drogues, mais... Non, c'est bon. On va juste prendre les composants et puis c'est tout. On peut retourner sur l'autre base. Il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. C'est bon, c'est l'autre base. À chaque fois qu'il va y avoir une alerte, je vais flipper sur quelle base ça se passe. Mais pour l'instant, c'est la bonne base. Est-ce que j'aurais la place de faire ça? Ah mais oui, j'ai carrément la place de faire ça. Mettre une deuxième éolienne ici. Du coup, les éoliennes seraient croisées et se gêneraient pas. Ça prendrait pas beaucoup de place et ça générerait plus d'électricité. Pour plus tard, si jamais j'ai besoin d'autant agrandir ma base. Normalement, non. Normalement, je devrais pas avoir besoin. Je pense que cette taille-là, la base est...
La base peut survivre. Ce que j'aimerais bien par contre, c'est faire des chambres individuelles tout de même. Pour qu'ils fassent un petit peu moins la gueule. Mais bon, ça va être compliqué de faire ça. Ça va être compliqué. On va voir ce qu'on peut faire. Peut-être même faire directement des bases assez grandes en fait. Pour ne pas avoir le problème de l'autre base qu'on avait eu. Des chambres trop petites. Même si au définitif cette base sera rasée au bout d'un moment. Parce que les gens devront rentrer à l'autre colonie pour. Pour établir la colonie justement. Le Mufalo a donné naissance. C'est sur l'autre colonie? Oui, c'est sur l'autre colonie. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redonner un Velmufalo. On va le garder parce qu'on n'a plus qu'un seul mâle ici. On va ordonner que cette base se débarrasse des animaux. Le cougar est blessé, c'est le moment jamais de s'en débarrasser. C'est la dernière fois on avait voulu le tuer et il nous avait tué quelqu'un. Donc on avait refusé cette mort. Tout simplement. Comme un lâche. Par contre, du coup, je dois avoir moins de cuisiniers qu'avant ici. Et ça peut être problématique. Non, ça a l'air d'aller. J'ai moins de personnes pour dépecer, etc. Bon, pour l'instant, ça va. Oui, voilà. Là, c'est bon. Ça se fait. Cette tourelle, elle est vraiment mal placée en fait. Si je veux qu'elle soit mieux placée, il faut que je casse ça. Est-ce que des d'autres murs ont été construits? Non, toujours pas. On va pas en ordonner d'autres supplémentaires hein, tant que ceux-là ne sont pas faits. Par contre, ici, je vais pas pouvoir verrouiller, par contre. C'est dommage. On devrait être tranquille suffisamment de temps pour faire ce qu'on veut ici. Oui, les fabriques de tulle, c'est l'autre base. Ça c'est fait, c'est normal. C'est pas une commande compliquée. Ça creuse, ça creuse. Ça pareil, on peut l'agrandir. On peut agrandir la décharge. Même par là, on s'en fout. Tiens, il y a de l'orage. Est-ce qu'il y en a à l'autre endroit? Non, il n'y en a pas. C'est cool ça. C'est pas le même climat sur les deux endroits. Adam Jensen R, ça veut dire qu'il a fini toutes les constructions. Ça, c'est cool. Donc ça veut dire qu'il peut s'occuper d'une construction suivante qui sera audacieuse. Sera pas audacieuse, on s'en fout de ce métal honnêtement. On en a déjà bien assez à miner. On va pas faire les oufs. Ah si là en fait je peux le verrouiller. Je peux verrouiller la zone en faisant ça. C'est ce qu'on va faire. Les autres trucs ça a été construit, c'est fait. Voilà. Madame Jensen n'est pas mineur du tout. Ah non, il ne peut pas miner du tout, d'accord. C'est pour ça qu'il était oisif. Le minage, c'est pas du tout son truc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les animaux, ils sont... On va leur étendre un petit peu leur prairie. Pas avoir de problème. Ouais, bah minez-moi tout ça, les gars. Ah. Oula, cassez-moi ça. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a beaucoup de creux hein, dans cette montagne. C'est pas forcément le meilleur pif. Hein. Je vais casser ça. Je veux voir ce qu'il y a derrière. C'est important. Il n'y a rien. D'accord. C'est cool. Alors. On va pouvoir faire des chambres, on pourra en faire une ici en fait. Là, on va le garder pour. Pour.
pour salle de fabrication et de repos en fait, tout simplement. Là, on va miner encore un peu sur les côtés. On va miner certainement un comme ça. Je vais pas casser ça parce que j'ai peur que ça s'effondre, tout simplement, si je le fais. Alerte au feu critique, d'accord. Mais autrement, ça vous dirait quelque chose d'éteindre? Ah non, il pleut donc ça. Espérons que le câble ne pète pas avant. C'est bon. En attendant, on n'a plus rien fait de ce côté-là. Hein. On n'a pas ordonné d'autres agrandissements. Ce lit, il est excellent. Celui-là, excellent. Celui-là, excellent. Donc, je vais désinstaller moi ce lit-là. Ça, vous allez me le détruire. Ça, vous allez me le détruire également. Ça aussi. Ça aussi. Ça, c'est bien. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est bien. Encore au feu. Mais merde. Le feu tout le temps. Évidemment, vous allez mettre une porte ici. À la limite, je pourrais... Ah, j'hésite à casser ça pour agrandir ma salle de repos. Bon, non, elle est bien assez grande comme ça. Elle est bien assez grande. Voilà, cassez-moi ça. Ouais, bah c'est bon comme ça. Ça, oui, on va juste le retirer. Après, ce sera cette chambre. Je vérifie qu'il n'y a pas de lit qui soit inoccupé. Il me semble qu'il y a celui-là, oui. Il est inoccupé celui-là. Ça, c'est. La sculpture n'est pas de très bonne qualité, mais bon. On n'a pas grand monde qui sache s'en occuper de la sculpture. Madame Jensen, qu'est-ce qu'il fout? Est-ce qu'il a fini de construire les murs? Non. Et non. Les incendies ici, mais bon, on s'en fout. On s'en fout. c'est pas chez nous. Comme dirait l'autre, c'est pas chez nous. Oui, ça devrait suffire cette culture-là. Même si on n'a pas beaucoup de bouffe ici, hein. Ah, il y a des animaux, on pourrait les chasser. Hein. Mais j'ai peur de chasser le temps que j'ai pas fermé les accès en fait. J'ai peur que les animaux aillent se réfugier là où je veux pas. Et du coup que mes gens meurent en essayant d'aller les chasser comme des idiots. Chasseur, oui j'en ai deux hein, qui sont la priorité de chasse. Et Lady Gaga est totalement guérie. Elle a dû se prendre l'orage sur la poire. C'est pas top. Ma base n'est pas si propre, mais ça va. Ouais, ça va. Je vais dire que c'était horrible, mais non, ça va. D'accord, donc là, il y a deux... Il y a deux écoles. Il y a du granit et du grès. Donc, ok. On va tout mettre en granit. Oula. Trop chiant suggère que vous trouviez malgré tout un nom à la colonie. Minage Land. Il y a un énorme décalage entre le jeu et la voix. Tu crois? Bah, je sais pas. Attends, bon. Là, j'ai pu... Attends. Ok. Là, j'ai cliqué sur OK. Quand j'ai dit OK. Il y avait un décalage? Si c'est le cas, c'est parce que je suis en low latency et avec... avec Twitch, la low latency bug souvent. Et fait ce genre d'erreur. Si c'est le cas, je ne peux rien y faire à part retirer la low latency, mais c'est quand même agréable de pouvoir vous parler sans avoir à anticiper de 8 à 10 secondes. Quoi. Oui, pour moi. Quand j'ai dit OK, il y a eu. Quand j'ai dit OK et j'ai cliqué, il y a eu beaucoup de temps. Parce que je sais que c'est un problème récurrent, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent sur d'autres streams. Et moi au début j'étais pas en low latency et je l'ai mis il y a quelques temps déjà. Mais je trouve que c'est quand même mieux, mais je sais pas. Tu me dis si c'est énorme ou pas. Mais c'est fréquent, il y a beaucoup de gens qui ont des choses comme ça. Hein. Beaucoup, beaucoup.
Je sais pas, j'ai pas vu. Je vais dire clic quand je vais cliquer sur l'éolienne. Clic. 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 Oh non. Clic. 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 Bon, je sais pas. J'ai à peine l'air d'un émilo à faire ça. Mais oui, c'est très probable qu'il y ait un décalage. Un décalage. Hein. Ça arrive souvent et ça se voit beaucoup quand les gens ont une webcam. Moi, j'ai pas de webcam, donc ça se voit moins. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? Pour construire. Mais non, mais. Adam, t'es à côté, merde. Laisse-la faire sa vie, elle. On a combien d'acier? 1300. Il va nous en falloir plus. Si... Ah non, si on fait faire une expédition, il nous en faut pas beaucoup plus en fait. Ce qu'on va faire, on va sauvegarder. On va envoyer une micro-expédition avec l'autre colonie en fait. Former une caravane, on va prendre John Wick, on va lui dire d'aller se promener. John Wick, tu viens et tu vas prendre deux buffalo. Et tu vas emmener des rations. Je vais en emmener 20. 20 et 2 de rations de survie. Tu vas emmener. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir besoin dans l'autre base pour l'instant? Pour l'instant, ils ont besoin de rien en réalité. Hein. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de nous donner de l'acier, etc. On peut leur amener du chocolat, comme ça ils seront contents. Allez, on va leur amener du chocolat. Et on va embarquer un petit peu plus d'animaux en fait. Hein. Voilà. On embarque tous nos animaux de transport. Voilà, 0,3 jours. Oui, elle va pourrir la nourriture, mais bon, c'est bon. J'ai la vidéo. Oh là, oui, énorme. Quand tu dis clic, tu cherches les minerais. Ah oui, j'ai la vidéo avant le son. Oui, normalement c'est le son qui a un décalage. Tu peux le désactiver toi-même, normalement. Je sais pas si c'est disponible sur les non-partenaires. Parce que, voilà. Il y a des trucs Twitch. Tu vas dans paramètres, options avancées, et t'as un truc low latency. Tu peux le désactiver si tu trouves que le décalage est gênant. Tu peux le désactiver. Et normalement, ça devrait être mieux. Moi je peux le désactiver, mais si je le désactive de mon côté, il faut que je relance le stream et je t'avoue que c'est chiant. Faut que je coupe le stream et que je le relance. On va même faire allez, une grande, vraiment grande chambre avec une ligne de plus. Voilà. Cassez-moi tout ça. Là. Voilà. Je sais pas si ça résout le problème. Ni si tu l'as fait. Non, j'ai mis report. Ah, ils vont arriver à minage lent. Évidemment, on continue de. Voilà, c'est du luxe hein, ce que je fais. Hein. C'est vraiment pas indispensable. Limite, je perds du temps de minage, mais il y a trop de minerais de toute façon. Donc pour l'instant, voilà, ça va pas le faire pour l'instant. Ensuite, donc pour le minage, on peut miner. Là, on en a combien? On est à 9-7, j'aimerais bien faire un 9-7 ici. Voilà, 9-7 comme ça. Avec un truc comme ça. Et un couloir. Voilà, 9-7. Par contre, oui, il va falloir que je change la porte. Je l'ai mis sur le côté. Je préférerais qu'elle soit ici en réalité. Même si
Oui, c'est bon, ça tombe juste. C'est beau. Comme ça, à l'autre, je pourrais la mettre en face. Je pensais pas qu'il y avait un décalage si gros en fait. Parce que moi, personnellement, je regarde des streams en low latency et je remarque pas toujours le décalage. Bon, après, niveau son, moi j'y connais rien. Hein. Je suis vraiment une grosse brêle en son. En image, ça va, je m'y connais. Je connais un peu, mais en son, je connais rien du tout. C'est l'apocalypse, le son pour moi. C'est du chinois. Table de nuit, évidemment. Alors là, pour voir le sens, démerde-toi, mon gars. Petite commode. Ah, c'est du luxe, hein. C'est du luxe tout ça. Et puis, on va foutre une ventilation. Évidemment, pour que tout soit à la même température. C'est le grand luxe, cette colonie. Du grand luxe. Où est-ce qu'il en est, John Wick? Ah, il arrive bientôt. J'aurais pu lui mettre un sac de couchage, parce que j'ai oublié qu'il leur fallait 8 jours pour préparer une expédition. Je sais pas comment ça va se passer, s'il va rentrer dans la colonie ou s'il va vouloir juste faire du commerce à l'extérieur. Ouais, j'ai l'impression qu'il va rentrer dans la colonie. Il rentre dans la colonie. Donc c'est de la merde. Du coup, former colonie, John Wick. Tu vas repartir direct. Donc normalement c'est 14, 15, 16 qui restent ici. Donc voilà, tu vas ramener tout cela. Et tu vas embarquer l'acier. T'embarques que l'acier et tu vas embarquer les deux. Est-ce qu'ils ont tout déposé aussi? Tu streams jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 19h, puis après j'arrêterai. Je stream toujours ces horaires là. Qu'est-ce que. Si je dis pas de déposer, ils vont jamais. Ils vont jamais les récupérer les autres, je pense. Et qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Donc oui, ça serait bien que quelqu'un se lève pour aller les rapporter. On les embête, mais c'est pour le bien de la patrie. Puis après, John Wick va repartir très vite. Trop chiant, oui, qui commence à péter un câble parce que je l'ai réveillé en pleine nuit. C'est beau. Rosanna, toi tu vas. Dès que t'auras fini, tu vas transporter l'autre plat. Voilà, va transporter l'autre plat. Et John Wick qui a volé un lit, je pense. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'en aller. Vas-y, John Wick. Dis au revoir à tout le monde. Donc 12, 13. Voilà. Tu vas t'en aller, donc tu vas reprendre de la pâte nutritive hein, pour le trajet, t'en as pas besoin de beaucoup. Je pense. Tu vas prendre tout l'acier que tu peux. Voilà, 600, c'est bien. Et puis c'est tout. C'est pas mal. Prends une pâte nutritive en plus pour être certain que tu ne crèves pas de faim pendant le trajet. Puis voilà. Les composants, je les laisse, ils vont en avoir besoin. Et c'est cool. Donc ça, c'est des trajets qu'on va devoir faire un milliard de fois. Pour apprivoiser... pour amener de l'acier, tout simplement, à notre base principale. Donc on va miner ça. Clac. Où est-ce qu'il mine? Il mine l'or ici, peut-être. Je flippe, parce que s'il commence à essayer de miner près des ennemis, je vais faire la gueule. Où est-ce qu'il y a encore de l'acier? Il y en a ici, il y en a beaucoup ici. À mon avis, il y en a même là. Ça doit faire d'un bout à l'autre, pardon. Pareil, c'est bien. Oula,
Qu'est-ce qui se passe? Trop chiant, risque de démence majeure, d'accord. Au feu. Ah oui! Au feu, en effet. Je confirme, il y a bien un incendie ici. À la prochaine, boss. Merci d'être passé. Je te souhaite une bonne soirée. Puis bon appétit, je suppose. À la prochaine. Éteins-moi ce feu de merde. Comment ça, une caravane arrive? Et il y a la femme de John Wick qui est ici. Ok. Oh là là, tous les incendies de votre vie, quoi. Le monde est en feu. Et elle est où la caravane? Tu dis banco combien Coco il paye, mais elle est où la caravane? Ils sont déjà repartis? Vous étiez sur l'autre colonie et j'ai rien vu. Sont où la caravane? Je l'ai loupé? Ah non, ils sont là, ils sont sur cette colonie. Oh bah, je suis deg. Parce que j'ai rien sur cette colonie, je peux pas faire du commerce. Bon, bref. Tant pis. Des bisous YouTube, un pouce bleu. Ou pas, on s'en fout.